Moi, c'est genre, je suis depuis 2 ans animateur en centre de loisirs. À côté, je faisais un peu d'intérim, des petits boulots à droite à gauche. C'est Jeanne. J'étais en BTS métier de la mode et du vêtement. Donc, j'étais de base sur Villefontaine et maintenant je suis sur Lyon. Pas du tout Villefontaine, je suis dans un petit village qui est à une demi-heure d'ici, même 40 minutes d'ici. J'ai retrouvé un cahier de brouillon de quand j'étais en CE1, CE2 je crois. Et dedans je marquais que je voulais être journaliste. Alors je ne sais pas le pourquoi du comment. Et moi je m'en souviens pas. Au début styliste et puis maintenant plus du tout. J'interviens au lycée Léonard de Vinci, donc à Villefontaine. Trouver des occupations au lycée, par exemple des jeux de société, faire vivre le foyer, donc ça veut dire aussi dans le thème de par exemple Halloween, Noël ou des choses comme ça. Et notre mission c'est éco-déléguer, sensibiliser les lycéens, être économe par exemple, tri sélectif. Dans certains lycées ils avaient une ruche d'abeilles. Majoritairement de l'animation, alors un peu pareil, j'interviens à la MDL, je dois créer des projets avec les lycéens, des projets peut-être avec d'autres établissements extérieurs au lycée, l'Oiselet, Bourgogne. Aussi, oui, voilà. C'est du mentorat, le lycéen est mentor du collégien ou de l'élève. C'est une heure par semaine qu'ils vont discuter de l'école, un projet peut-être professionnel, de jeux, d'animation, enfin, sur plusieurs petites choses comme ça, et ça pourrait être qu'on fasse des sorties aussi. Avoir une pièce de théâtre ou un ciné. Les lycéens viennent plus souvent me voir par exemple pour créer des activités ou autre. Apprendre l'animation avec des lycéens, comment gérer, comment créer une animation avec des lycéens, comment... Enfin voilà, toutes ces choses.